Salut le monde des loups, c'est Taré et je suis fier de vous annoncer que je suis un fabuleux sandwich désormais. En tout cas, merci à Colibri pour ce petit dessin fait entre deux tweets, ça m'a fait énormément plaisir, donc là je tenais à vous le montrer aussi, la remercier. Alors pour cette vidéo bonus, je vais essayer de faire assez vite dans les informations parce qu'il y aura énormément de coffres à ouvrir ce mois-ci, étant donné que, comme vous le savez, j'ai recommencé une aventure de zéro, donc forcément il y a énormément de coffres que j'ai pu récupérer en évoluant dans le jeu. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer par parler de YouTube parce que vous êtes sur YouTube présentement, donc je pense que c'est la priorité du sujet à aborder. Alors comme je l'avais prévu le mois dernier, et avec la mise à jour qui est arrivée, justement il y a des vidéos qui vont devoir être passées en non répertoriées lorsqu'elles seront remplacées, puisqu'il y a énormément de choses qui ont changé au niveau des classes. Puisqu'il y avait pas mal de rééquilibrage et aussi des simili refontes pour le Sacrieur et l'héliotrope, qui fait qu'il y a un sujet de vidéo que je voulais faire par rapport à l'héliotrope en tant que guide, mais malheureusement ça ne se fera pas tout de suite parce qu'il faut que je réapprenne un peu l'héliotrope pour pouvoir justement vous le représenter. Bon, c'est une vidéo reportée, mais c'est pas bien méchant quoi, voilà. Mais du coup, il y a des vidéos que j'ai sorties cette année et fin de l'année dernière qui vont du coup devoir être faites pour que ça corresponde à ce qu'il y a actuellement en jeu. Donc ça concerne... Je pensais que ça allait concerner plus de vidéos que ça, mais finalement ça va encore. Il s'agit du coup de la vidéo sur le roublard à bas level, donc je vais devoir refaire une vidéo roublard bas level, ainsi que, bien évidemment, vu que c'est un peu associé, la vidéo sur l'équipe que j'utilise en tour minéral. Donc ce que je vais faire, c'est que bientôt je vais du coup ressortir une vidéo sur le nouveau roublard, pardon, ainsi que ma team en tour minéral que j'utilise en utilisant l'équipe que j'utilise justement pour le retour à zéro que je suis en train de faire actuellement sur le jeu, tout simplement. Donc voilà, que deux vidéos à refaire, mais du coup il y aura peut-être des vidéos, enfin je vais devoir booster à fond sur YouTube parce qu'il y a des vidéos que ce mois-ci j'aimerais bien sortir à tout prix, notamment bien évidemment la deuxième partie des carnets de bord de mon retour à zéro, ainsi que un parlons Kama avec je dirais un montage un peu plus audacieux, je dirais, pour Halloween. Donc je vais essayer de le sortir ça si possible pour Halloween. Donc voilà, je vais essayer de booster au maximum sur YouTube. D'ailleurs on est bientôt à 900 abonnés sur la chaîne, donc bientôt les 1000, j'avoue, il y a le cœur qui bat un peu fort là, j'avoue. Et puis ça sera un cap assez important pour la chaîne, puisque ça va être le début de la monétisation. Alors je sais pas ce que vous... je sais pas comment ça se passera ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas c'est un cap à passer qui me fera... me dire que ça fait un petit moment au cœur quand je le passerai. Donc bon, pour l'instant c'est pas pour tout de suite, mais j'avoue que il y a une certaine appréhension. Donc voilà, je vais tout simplement booster sur YouTube et puis basta. Et concernant la chaîne Twitch, y a rien à dire, si ce n'est que évidemment le mois dernier j'avais dit que j'allais lever le pied sur Twitch. J'ai plus que levé le pied, j'ai même pas sorti un seul live ce mois-ci sur la chaîne Twitch. Donc je pense que lever le pied c'est réussi. Alors j'avais évidemment dit que voilà, tout simplement, que pendant mon aventure retour à zéro, j'allais faire quelques petits streams pour montrer un peu où j'en suis. Mais finalement, avec mon mood actuel, j'arrive à des situations où je joue par petites saccades, ou tout simplement je joue à des heures pas possibles, et donc pour stream c'est pas possible non plus, je peux pas forcément stream. Et puis moi je suis arrivé dans une dynamique où justement mon retour à zéro, je le fais un peu chill avec de la musique dans les écouteurs, pas se sentir épié en live, etc. Donc moi, et puis prendre des notes aussi à côté pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc je suis dans cette dynamique là en ce moment, donc je ne sais pas si ça y aura des vidéos qui, enfin des lives qui seront faits ce mois-ci par rapport au mois dernier, mais voilà, tout simplement pour vous dire que le mood actuellement que j'ai,
c'est pas forcément faire des lives. J'ai pas vraiment le mood à faire des lives et je préfère ne pas me forcer à justement faire des lives. Et puis si un jour j'ai envie de live, bah je ferai un live et puis c'est tout quoi. Y a pas, on n'est pas prise de tête sur Twitch. Hein. Je pense que je vais être dans une dynamique où je vais pas être prise de tête. Donc tout simplement, voilà, ça live quand je liverai et puis basta, quoi, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout pour les informations. Je vous ai dit, hein, ça allait être assez concis. En tout cas, j'espère que j'ai été concise. Et bah maintenant, place aux réjouissances, on va ouvrir les coffres. Alors nous voilà dans le havresac du nouveau Xelor Ebène. J'ai pas encore ouvert l'interface de récompense, hein. C'est un peu la surprise de savoir où est-ce que je me suis classé. Alors, petit coffre de fin de saison fragile, ok. Petit coffre de fin de saison rustique, brut, imparfaite. J'ai pas été classé en mi-car, bon c'est pas trop grave. Ça me fait quand même pas mal de coffres, hein, il faut le dire. Faut le dire. Et pas mal d'éclats aussi, hein. Pas mal d'éclats. De l'autre côté aussi, normalement, j'ai un petit peu plus de coffres imparfaits, étant donné que évidemment j'ai réussi à faire la tour minérale avec deux persos au lieu d'un sur ce compte-là. Alors on commence peut-être par le Xelor. Par les coffres du Xelor, tac, je monte à fond le répert, enfin le... Enfin vous avez compris. Oui, j'ai le cœur qui palpite un peu, j'espère trop. Parce que le nombre de donjons que j'ai fait, j'espère que je vais choper un truc bien. On va commencer peut-être par les imparfaits, tenez, hein. 10 imparfaits. Alors, un plastron et des jetons imparfaits, pour les clés c'est bien. Encore des jetons et le casque. 100 jetons, ok. Une épaulette. Voilà, là, là. Des éclats, on s'en fout. Des transmutations imparfaites, on s'en fout. Et un deuxième casque. Donc, ça, je vais vraiment m'en servir pour faire les fragments de stasis et revendre ça après. 44 jetons. En vrai, les jetons imparfaits, je vais m'en servir pour faire des incantations pour la tour minérale. Des épaulettes, voilà, là, encore une fois. Un casque, un troisième casque et un éclat. Ouais, un peu le radin pour l'éclat. Et 32 jetons imparfaits. Alors pour le deuxième, pour les autres coffres imparfaits. Éclat, épaulette, Valhalla. Des éclats. Des jetons. Des éclats encore une fois. 44 jetons. 88 jetons, oh, c'est généreux. Deuxième épaulette encore une fois. Des éclats et pas beaucoup. Un peu radin au niveau des éclats. 11 éclats. Un plastron. Et encore des éclats. Bon, pour l'instant, pas encore de sublimation épicorolique. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui arrive après les... Non, c'est pas les brutes, c'est les fragiles. Enfin, comment c'est que les fragiles? Donc, 12 éclats. 7 éclats. 50 jetons fragiles. 31 jetons fragiles, 88 jetons fragiles. Alors les jetons fragiles, je vais peut-être expliquer dans la prochaine vidéo carnet de route qui sortira, qui sera du level 51 à 110. C'est ce que je vais faire des jetons fragiles, mais bon, ça va être moyennement rentable en fait. 88 jetons fragiles, un épilard, une épaulette en flemmard, 15 éclats, 3 éclats. 49 jetons fragiles, un épaulette et des jetons. Là, c'est vraiment sympa de mettre autant de jetons avec un épaulette en plus. Des éclats, toujours des éclats et pas beaucoup d'éclats. Hein, 13, 8, 2, pas énorme. 7 éclats, 7 transmutations fragiles, 11 éclats. Et des éclats. Bon, hein, pour l'instant, avec ce qu'on a ouvert, toujours rien. On va continuer du coup. À continuer avec les coffres fragiles du Xelor. 16 éclats, 10 transmutations, un casque en flemmard. En vrai, le casque en flemmard, la panneau en flemmard, si j'ai tout, je pense que je vais le garder pour un prochain mini-bot. Deux casques en flemmard, et B, des éclats, un troisième casque, 2 éclats, 10 éclats, 85 jetons fragiles, 2 éclats. Des éclats, encore une fois, encore des éclats, toujours plus d'éclats. Un épaulette dans Flemmard. Le plastron. Il manque plus que
Bah le... Du coup, les bottes, des éclats encore une fois, les jetons, des éclats encore une fois, des éclats, des transmutations, des éclats, et des épaulettes. Alors pour l'instant, c'est un peu de la merde ce qu'on soit. Bon, il y a quand même que cosmétiques très sympathiques qui vont être concassés pour faire des fragments de stasis, mais bah, on aurait bien voulu pour l'instant avoir une petite sublimation là, en vrai. On continue avec les coffres rustiques. Les gants gladiatroules, donc ça va partir directement en fragments stasis, hein. Pas d'embrouille. Des transmutations, la natte gladiatroule, des éclats, éclats, des éclats, encore des jetons rustiques. En vrai, jetons rustiques, ouais, ça peut être sympa pour aller chercher des, comment ça s'appelle, des toxi piquantes pour la thune. Des transmutations, des jetons, une botte de gladiatroule, des jetons, des épées bois. Oh putain, c'est vrai qu'elle est canon en vrai. Moi je la trouve canon. Je sais pas si je vais me la garder, peut-être. Quoique une épée à deux mains, je sais pas si ça. Si ça se fait beaucoup. Enfin, bof. Surtout que maintenant, avec la sublimation arme légère, bon, ça va se faire de moins en moins, je pense, les deux mains. Sauf bien sûr pour des utilisations plutôt bien sûr tanky. 9 éclats, 92 jetons rustiques, c'est pas mal ça en vrai. 3 éclats, c'est de la merde. 72 jetons rustiques, 33 jetons rustiques, une natte de gladiatroule supplémentaire, des transmutations. Des éclats, des transmutations, des gants et des éclats. Pour faire, mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien. C'est la tristesse. Bon, des jetons, d'une natte, des éclats, des jetons, des éclats, des éclats, un gant gladiatroule, une perruque et des transmutations, les jetons. Les jetons, les transmutations, des éclats, éclats. Je pense que ça va être la vidéo où je vais dire le plus de fois le mot éclat dans une vidéo, c'est infernal. Et des jetons aussi. En vrai, est-ce qu'on va choper. Ah, botte de gladiatroule, à la limite, on a quasiment toute la panoplie là en vrai. On a quasiment toute la panoplie gladiatroule. Mais on n'a pas de. Pour l'instant, on n'a pas de sublimation épikéolique. C'est triste, hein. C'est triste, hein. Bon, c'est la dernière ligne droite avec les coffres bruts. Les jetons, des jetons. Transmutation, on s'en fout. Allez, là, une petite sublie, là. Allez, fais pas ta pute le jeu, fais-moi une petite sublie, quoi. Botte Onyx? J'avais jamais eu ça. Sympa. Deuxième botte Onyx. Trois jetons. Jetons. Jetons, le casque Onyx et des éclats. Je sens que ça va être la merde, hein. Des bottes Onyx, des jetons, des éclats, des éclats, des éclats, des éclats. Encore des bottes. Oh, cette dégueulasse. Cette peut-être le. Voilà, l'amulette Onyx. Ok, bon, ça va partir en frag, ça. Éclats, transmu, jetons, éclats, éclats. Je vais vraiment rien avoir en fait. Oh, la douille que ça va être. Éclat. Et 12 éclats. Ah, la douille. La méga douille. Une centaine de coffres ouverts et pas une seule sublimation. Voilà cette arnaque. Ah, la tristesse. Oh bah désolé de vous avoir fait un peu hypé pour rien, hein. En tout cas j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Moi je vais pleurer dans mon coin. Allez, bah à lundi pour la prochaine vidéo du coup. Allez, bisous.